Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. I went to tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us. Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major. Still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All of this done with the speech. Filling my pockets for now but later. I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Eh bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui réunis par ce dimanche pluvieux, alors qu'il faisait beau avant. On est avec Tony Merguez. McFly. McFly, avec sa belle moto. McFly qui est de retour chez nous pour nous présenter son Road King. Hein, n'est-ce pas? C'est ça. Avant, tu avais un Slim. Un Slim, qui me manque d'ailleurs. Il te manque ton Slim. Ouais, il me manque. Tu t'avais dit qu'il fallait le garder. Ouais. Et avant, tu avais un 48. 48. Et tu nous avais présenté les trois motos. Et donc celle-là, je suppose que tu vas t'en débarrasser à la fin de la vidéo. À mon avis, fin de vidéo. Elle est vendue. Elle est vendue. Très bien. C'est ça. Aujourd'hui, on est aussi avec, il est où mon ami Paul? Bah, Paul, il est là. Paul qui nous fait un joli graphe derrière et qui va continuer. Salut à tous. Et il nous fait un très joli... Une petite déco très sympathique, hein? Le plus beau. Alors, fiche numéro 1. Fiche, vous voyez les fiches? Non. Il y a un écrit dessus, mais fiche numéro 1. Absolument un écrit dessus. En plus, je suis sous gueule de bois sale. Putain, c'est dur. Tony. Bon, on va dégager ça, comme ça on montre la belle moto. On va arrêter les conneries. Tony, c'est à quelle année ton Road King? 2020. 2020, 114. 114. Ah, il est beau. Ça change. Ça change? Ça change, ouais, du slim, ouais. C'est plus lourd à conduire, c'est comment? Non, même pas, c'est fluide, hein. T'as vu, c'est un vélo, hein, une fois qu'il part. À l'arrêt, c'est lourd. À l'arrêt, c'est très lourd. Pour les petits gabarits comme moi, c'est... Et c'est encore, t'as pas de fairing, on n'est pas sur un street, ouais, ou un road. C'est ça. Mais bon, il est très beau, full black, hein, on rappelle Tony, comme il aime. C'est ma marque. C'est sa marque. Plus il y a du noir, plus il kiffe. Alors, il y a plein de choses sur cette moto, mais tu vois, ça reste toujours très discret. Tu vois, comme le slim, il faut s'attarder sur les détails pour voir toute la prépa. Il y a ceux qui possèdent des Road King qui voient tout de suite ce qui a été fait. Moi, de ce que je vois le plus gros, déjà, tu me dis, hein? Ouais, vas-y. T'as mis tout l'arrière d'un CVO, c'est ce qui fait que c'est une tuerie, je trouve. C'est ça. Tout l'arrière du CVO, la selle du CVO, on dirait un Road King CVO. Si le Road King CVO sortirait, c'est il ressemblerait ça, ouais. À ça, exactement. Moi, le CVO, c'est une moto que j'adore. Et pour l'avoir conduit, c'est un peu lourd pour moi, tu vois, c'est tout de l'avant, c'est une tête, elle est assez lourde. Un street ou un road? J'ai voulu partir sur un Road King, vraiment CVO, j'ai mis l'arrière, la selle, et j'ai mis un peu de petites touches, j'ai mis en full black. Full black, t'as peint plein de parties. Avec une grosse prépa moteur. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui a été peint? Je vois les... tout, des petits covers, ton filtre à air, qui est ça, un filtre à air performance machine, mais c'est qui a ça. Été repeint. Le mec, c'est un fou. C'est ça. Il repeint tout. À la base, il était en total chrome. Et le gars, il m'a fait une peinture personnalisée, noire et bordeaux, qui va avec les logos. Les logos CVO. Logo CVO, qui est noir et bordeaux. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais tu as tous les contours. T'inquiète, on verra. Bordeaux. Tu seras même étonné. Tu as tout là, qu'est-ce qui est bordeaux. Les étriers, pareil, qui sont noir et bordeaux. D'autre côté, pareil, noir et bordeaux. T'es même allé peindre la poignée de la sacoche. C'est ça, en noir. T'as peint aussi ce qui est là. Ouais. Y a quoi dessus? Y a une ligne Vans. Je vois une demi-ligne Vans. C'est ça, la ligne Vans. On l'a rabaissé. De quoi? De 2 pouces?
5 cm, on a rabaissé à mort. Moi, je suis pas très grand, je fais 1m 68, 65. Petit gabarit. Donc, j'étais un peu en galère. Hein. Ouais. Quand je conduisais, la pointe. J'ai vu au début, quand tu l'avais reçu, quand il faisait des marches arrière, oh là là. On dirait qu'il sortait un bus. La vie de ma mère. C'est ça. Donc, du coup, on l'a rabaissé le plus possible. Pour que tu sois à l'aise. Pour que je sois à l'aise. Ouais, très belle, t'as mis une bulle, un phare aussi, je vois. Une bulle, phare. T'as changé aussi le. Le crash bar. Le crash bar. Le crash bar, je l'ai changé, j'ai mis celui du CVO, il est beaucoup plus court. Le feu, il est sympa avec ce. Ouais. On dirait une chèvre. Quoi? Une chèvre. Tu sais, les chèvres, elles ont des yeux comme ça, là, avec une barre en plein milieu, tu vois. Non? Je te jure, moi je vois une chèvre, un cyclope. Un cyclope chèvre. Un bouc. Non, je te jure, non, elle est très belle. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est une très belle moto et j'aime bien, elle est très sobre. Ouais, elle est simple, simple, épurée, classe. Et à la revente, c'est beaucoup plus facile que les mecs, c'est qui font des peintures. Ouais, quand tu fais des très grosses prépas. Peinture énervée. Enfin, quand c'est trop personnalisé, c'est dur à revendre. C'est ça. C'est très dur à revendre. Et après, on a sorti aussi les poignées, performance machine. Ouais, je vois ça. Avec ouais. Le filtre, la poignée, poignée de vitesse. Sélecteur, le sélecteur en bas qui est performance machine aussi. Est-ce que tu comptes faire d'autres choses ou tu t'arrêtes là et tu passes sur un autre projet ou... Après, ce que je comptais faire, c'est vraiment changer le garde-boue. Ouais, le mettre plus fin. Pour dégager la jante, parce que la jante, ce modèle 2020, elle est magnifique. Ouais. Parce que les anciens modèles, en fait, tu vois, c'était des bâtons. Le modèle 2020, ouais. Ils sont un peu croisés. Ouais, ça rappelle des rayons, mais en bâton. Et cette jante-là, je la trouve superbe. D'ailleurs, c'est pas que j'ai pris cette année-là, parce que le modèle 2020, il est magnifique, tu vois. Mm. Mais j'aimerais changer le garde-boue pour qu'il soit vraiment, tu sais... Qu'il lèche la... Voilà. Faire une découpe, peinture. Pour la faire ressortir. Et si tu la vends, t'aimerais avoir quoi? T'aimerais passer sur quoi? Ou revenir sur quelque chose d'autre, peut-être? Je sais que t'as aimé le slim. Le slim, j'ai adoré. Le slim, c'est sympa. Si je pourrais la reprendre, je la reprendrais. Sinon, je pourrais sur un street. Le nouveau street bob en ouais. 114. Je prendrais le pas mal, ça. Le street bob 114, il est beau. Et je ferais une grosse prépa de malade. Ça, je te vois bien avec ça. Ouais. Bah, pour mon gabarit, c'est sûr que c'est mieux. Ouais. Bah, je suis un peu en galère. Hein. Arrive au feu rouge. Un enfant, là, je suis sur la pointe des pieds. Hein. Je te jure, la dernière fois, j'étais au circuit, je le voyais arriver, il était assis sur sa bécane comme ça. Je le voyais hop. On aurait dit que la moto, elle arrivait toute seule. Je te jure. Mais du coup, elle paraît encore plus massive, la moto, quand c'est lui qui la prend. Elle fait énorme. Tout à l'heure, bah, en venant ici, tout à l'heure, je roulais, j'étais en voiture. Et je te jure, il y avait un Road King derrière moi, le même. Il arrivait fond de balle. Et quand il m'a doublé, j'ai vu que c'était pas toi, parce qu'il était énorme. Mais du coup, sa moto, elle est toute petite. Mais tu vois, sa moto, elle faisait petite. Mais ce qu'il y a sur la moto, c'est qu'elle est grosse. Tu vois, moi, je suis un petit gabarit. Mais à manier, manipuler, conduire, c'est un vélo. Ouais, une fois. Mais à l'arrêt, c'est une galère. Toutes les Harley. À l'arrêt, c'est une galère. Toutes les Harley. Une fois que t'es parti, ça y est, c'est. En fait, si tu veux, toutes les Harley, elles ont un centre de gravité très bas. Donc, tu. Ça part. Sur place, c'est lourd. Une fois que ça part, c'est gérable. Le seul bémol, moi je les ai toutes essayées, la seule où franchement j'étais vraiment pas à l'aise, c'était les Electra avec le tour pack derrière en CVO. Machin, il est. C'est énorme. Un tank. Et dès qu'il part, il t'emmène vraiment et tout. En fait, avec un Electra, t'es à l'aise à plus de 80 km/h. En dessous, franchement, même moi, après moi, tu vois, je suis pas costaud, ouais. Tu vois. Et ça devient compliqué à gérer. Après, pareil, pour tous les touring, c'est une question d'habitude. Moi, je sais que je préfère le road glide parce que le fairing ne tourne pas. Vu qu'on habite en ville, bah, c'est plus maniable. Quand tu as le street glide, là, tu as tout le fairing qui se balance avec toi. Donc, pareil, tu vois, juste ça, c'est différent. Tu as tout le poids à l'avant, alors que là, c'est la même moto, c'est le même cadre, mais tu n'as pas tout ce poids-là à l'avant. Bah, c'est quoi? C'est plus facile. Et moi, j'ai mis cette bulle-là, tu vois, pour rappeler ce truc-là. Ouais, ouais. Mais après, la bulle, moi, j'aime bien, tu tires, et la bulle, tu l'enlèves. Et tu vois, là. Attends, je vais la poser, tu vois. Mais la bulle, j'aime bien, elle fait copse. On dirait une moto de police. Elle a une autre dégaine, tu vois. Ensuite, elle est plus agressive. Tu as envie de faire un braquage avec, tu vois.
T'as envie de... Tu veux l'allumer, tu vois. Oh, putain, j'ai plus de force. C'est qu'il me fatigue. Ça, t'étais vraiment un malade. Non, mais... Tu vas faire un braquage avec toi. Tu vois, t'arrives place Montaigne. Non, mais t'as... En Road King. Non, mais je veux dire, t'as une autre dégaine. T'as soit avec la bulle. T'as, on va dire que t'as du sans swag. Sans la bulle, ça a rien à voir aussi. Moi, j'aime bien avec la bulle parce qu'il y a, ouais, y a un effet cops. Tu vois, un effet police. Moi, j'adore les bulles comme ça. Pour faire un braco, la bulle, c'est mieux. Si on te tire dessus, tu te fais une petite bulle blindée. Tu vois, déjà, sans bulle, elle a une vraie dégaine. Ouais, non, elle est bien. Mais c'est vrai que je te vois bien sur un petit street énervé. Je crois que je vais repartir sur ça. Ouais. Là, j'ai fait le tour avec ça, c'est sympa. En plus, c'est tout. Tu l'as gardé combien de temps, celle-là? Parce que ça fait 6-7 mois que je l'ai, tu vois. Après, t'as pas d'option dessus. Le slim, tu l'avais gardé combien de temps? Le slim, je crois 8 mois. 8 mois? Ouais. Chance d'arriver comme chaussette. Hein? Regarde. Ouais, je sais pas, mais sentimental, tu vois. Je suis un peu. Elles ont même pas de prénom, Tarlet. Viens, on lui donne un prénom à celle-là. Ouais, elles ont jamais. Comment tu veux ah, on l'appelle comment celle-là? Elles ont jamais de nom. On va lui donner un nom. Donne-lui un nom si tu veux. Mesrine. Mesrine. Mérine. Mesrine, Mérine. Non, en tout cas, je suis dans le black. Ma signature, c'est le black. T'aimes tout ce et qui là, est black. J'ai fait tout ce qui est finition noir et Bordeaux, quoi. Je suis dans le Bordeaux, noir et Bordeaux. C'est ma gueule, petit bâtard. C'est eux qui me font rire, parce que là, on nous filme. Mais ils savent pas que devant, on a un public. Il y a un public. Il y a au moins 15 personnes ils font devant. Tout pour nous faire rire. Mais moi, vu ce que je me suis chargé hier. Et ce matin, et tout à l'heure, et il y a une heure. Non, on me fait passer pour quelqu'un de. Non, en plus, c'est Ramadan, c'est pas bien. Je fais pas le Ramadan. On mange ce soir. Je fais un bisou à tous ceux qui font le Ramadan, mais je le fais pas, moi. Je le fais pas parce que. Comment tu veux que je fasse le Ramadan? J'ai toujours envie de fumer, tu vois. Je peux pas, c'est impossible. En plus, il y a un putain de graffeur qui est bon. Ouais, t'as vu, c'est magnifique. J'ai hâte de l'enlever, ça. On peut l'enlever, Paul, ou c'est chaud? Ah, ça, comment c'est beau. Ah, mon cousin. Tu sais que enlever c'est les petits trucs comme ça, c'est très satisfaisant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand j'étais gosse, je me mettais de la colle sur les mains exprès pour retirer la pellicule. Vous avez jamais fait ça? Non, toi, t'as fait ça. Voilà, lui, il me comprend. Lui, tu vois, regarde, je sais que là, il kiffe. On est des incompris, Paul. McFly, tu faisais quoi quand t'étais petit, toi? Je dormais. Et je te vendais la colle que tu te mettais sur les bras. Ou dans le nez. Dans le nez, il a dit. Oh là là, la drogue, c'est pas bon. Sauf quand elle est de qualité. C'est magnifique. C'est beau, hein? Fais-nous chanter le Road King, là, quand on l'écoute un peu. Tranquille, hein? Tranquille, hein? Le gars. Ça suffit ou pas? Jamais. Le gars, le respect. Okay. Mais tu m'as dit, il fait pas, chanter. Tu vois? Ouais. Mais j'ai fait il chanter. L'a avalé, il est jamais ressorti. Fais chanter tranquille. Je sais pas. Non, mais là, c'est de l'opéra, là. J'ai mal aux os. Tellement ça. Putain. Tellement qu'il a fait du bruit. Ben voilà, on l'a entendu. C'est magnifique. Il a le micro, il a tout enculé. C'est beau hein, ce qu'il a fait, Paul. Je mets son Instagram ici, barrez le panel. Ici, il sera là. Le plus beau, c'est là. Hein? Le plus beau, c'est là. Il nous a cassé les couilles pour qu'il y ait son McFly là, qui est là. Celui-là, il y est, Matt. Bah oui, puis ah, Jackie Boy. Il est là, là. Ouais. Là, t'as Matt, après on a mis des trucs, Club Style, Harley, Julien, Tariq, Bobber, Tracker,
Flat Track, Chopper, les amis des T-Max Lovers. So Rider. On a mis Soso, Scrambler, machin, Cleaver School, machin, je l'ai appelé le pauvre. Stéphane, je lui fais un bisou. Bagger, Anthony, Angelo, et là il y a Adrien. Tiens. Oh là là, au revoir. Aucun effort. Bon, qu'est-ce que t'as d'autres choses à dire ou tu sais, parce que franchement, j'aimerais bien chiller chez WAM. Franchement, qu'est-ce que tu veux? C'est une bonne bécane. Toi, t'en es content? Est-ce que t'en es content? Je suis content. Putain, mais. Tu sais que j'ai envie de faire quoi? Moi, je ferais bien un Road King Performance Bagger, tu vois, un bordel. Deux en un, sacoche courte, all-ins de partout. Béringer avant, arrière, une dinguerie jambe carbone. Et on va sur le circuit. Hein? On lui cale à l'intérieur. On met un gros turbo dans sa mère. On lui vire le bloc, on lui fait un bloc de ouf, t'imagines? Un gros SNS sa mère. Un truc bien, tu vois. Bien énervé. Mais tu sais, on le fait sobre, full black et tout. Et dès qu'il y a une sportive ou un truc comme ça, tu comprends pas, tu l'arraches sur 500 mètres. Lui, il est en full shifter. Tu le comprends pas, toi, t'as un guidon sacom. Et celle sèche, yux mouillé. Yux. Non, j'avoue, hey, ça fait terrible. Tu mets, le seul truc qui trahit, c'est la selle derrière qui te cale, tu vois, pour pas que tu glisses de la bécane. Bon, on aime bien rêver, hein. Allez. Déjà, comme ça, ça suffit déjà. Non, elle est très belle. Là, franchement, ça, félicitations, déjà, je l'aime beaucoup. Déjà, elle marche bien, déjà. Non, ça marche bien. Le 114, c'est un peu rond, je trouve. Ouais. Ça ne met pas de coup de pied, le 114. Le 107, il te met des petits coups de pied. Mais pourtant, on finit ta bécane. Mais le 114, je pense qu'ils l'ont fait. Elle met pas de coup de pied au cul, mais t'as déposé. Hein. La deuxième, elle s'est levée. Fond de première. Et je passe la deuxième à la Vin Diesel, c'est à la Fast and Furious. Bah! La roue, elle s'est levée, ma gueule. Coupé. C'est fini. Mets-moi un filtre à la Vin Diesel. Sur... Toi, comme ça, mets-moi la photo là. Sur Vin Diesel, il a arrêté la vidéo. Décidé d'arrêter la vidéo. Ouais, Vince Diesel, elle lui va parfaitement bien, cette moto. Mais toi... Non, je ne suis pas comparé à Vin Diesel aussi. Certainement pas. Il est genre, il fait... 4 fois ma taille, 10 fois mon poids. C'est comme si il a deux comme toi en lui. En moi. Avec grave moins de vœux. Je détache mon genou. 4 fois dans sa poche. Hey, détache-moi ça, s'il te plaît, pour la fin. Montre-nous Tarzan. Fais-moi Tarzan. 4 fois dans sa poche. Vas-y, en plus, tu les as coupé un peu là. Un peu, ouais. Vas-y, détache là, s'il te plaît. Fais-moi un kiff. Putain, bah vas-y. En tout cas, le Road King, c'est une bonne moto. En tout cas, le Road King, c'est une bonne moto. C'est une bonne moto. Agressif, confort, pour faire de la route, c'est parfait. T'es content? Je suis content. Viens, on s'arrête sur t'es content. Et puis voilà. Donc, dis. D'ailleurs, elle est en vente. Celui qui veut l'acheter, il envoie un petit message. Elle sera en vente, comme toutes les motos qu'on prépare, elles sont en vente, et voilà, ça sera parti, quoi. Vas-y, bah c'est parti alors. À la prochaine moto, je te dis, Tony. Carrément. Hein. Les amis, je vous fais des bisous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que t'es abonné, toi, ou pas? Ouais, je suis abonné. T'es abonné? On s'abonne. André Coben. Voilà. On met la petite cloche, un pouce vers le haut si ça t'a plu, vers le bas si ça t'a pas plu. L'Instagram de Paul, je l'ai donné tout à l'heure, vous pouvez y aller. Il fait des t-shirts magnifiques. Bon là, j'ai pas ton t-shirt, Paul. C'est vrai que je crois qu'il est au sale. Il était au sale, mon t-shirt. Il fait des je l'ai porté. Il fait des beaux dessins. Il fait des très beaux t-shirts. Et le thème, je le rappelle, c'est le graphe. Et viens, rejoins-nous. Donc ouais, rappelle-nous tes t-shirts, ta passion. C'est Barrel & Panel. Voilà. C'est un mix entre le graph et le surf et tout ce qui gravite autour, toute la ride et l'adrénaline et le machin, la moto aussi. Ouais, t'as un 8,83, un Iron. Ouais. Et voilà, tout ce qui... Dès que tu veux rider, c'est la marque, c'est ça. La marque, c'est ça. Retourne-toi, montre ton...
Alors, il y a une vague et des... Des caténaires. Parce que, c'est incroyable. À chaque fois que Paul vient, lui, il est là. Il a reconnu. Hein. Parce que je rappelle, Paul Graff, donc Mathieu, il grave des trains, grave des trains et lui il conduit des trains. Et tout à l'heure, lui, tu m'as filé, sans connaître mon taf, ce t-shirt que t'as là sur le dos, c'est je ça. L'ai et il y a les caténaires. Voilà. C'est merveilleux, t'as vu cette connexion, cette chaîne, on connecte les gens, lui il tag le train de lui. Tu vois. Ils rigolent et ils ont des bécanes et on est content. Bon bah. Voilà, on s'arrête là. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite un agréable week-end, parce que c'est dimanche, je le rappelle. Sous la pluie. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures McFly. Je t'aime. Tu es fou. Allez, ciao. I love you, sir. I love you, sir. Ah là là.